Salut à tous, ici Carboom, bienvenue donc dans cet épisode 2 de Life is Strange. Pour l'instant donc ce n'est que du teenage drama, mais je pense que le jeu a quand même plus que ça en réserve pour nous, vu le coup du début quand même, cette espèce d'hallucination bizarre avec l'énorme tornade, etc. Le jeu est super beau, j'ai pas pris le temps de le mentionner. Donc voilà, nous allons en apprendre plus sur ce drama qu'il existe entre notre personnage Victoria, Kate et que sais-je encore. Mac. In struggle. You don't have beauty without a beat. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. My little camera bag is battered, but still kicking. Capturing the romantic urban solitude. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, bon, elle veut prendre un selfie. Renaissance man. And his famous self-portraits are famous. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Et puis il est cool quand même hein, de pas réprimander en fait. Now Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Bah, you're asking me, Sandek, oui non, I didn't know. I did know. But I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows this stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the metro zone. Sad face. Very good, Victoria. The daguerrean process brought out fine detail. OK, donc Victoria confirme pour être une bonne grosse connasse, mais en plus une connasse qui en a dans le crâne, donc c'est le pire type de connasse. Et connasse conne, tu peux les faire chier facilement, elles sont connes. Et connasse intelligente, c'est beaucoup plus emmerdant. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Okay. Yep. Alors, qui a... Victoria doesn't waste a second kissing ass. Ah putain, en plus il y avait ça dans mon école, des nanas qui chattaient avec le prof après les cours. Est-ce que c'est Kate? Kate! Mais voilà! Alors. Hi Kate. Oh. Oh putain, t'as pas dormi? J'espère que je ne t'ai pas embarrassé. Je ne pense pas que ce serait elle qui sera embarrassée, par contre. You seem quiet today. Just thinking too much. Victoria is already one. Ce serait pas. J'ai pas envie de jeter des fleurs sur la personne qui l'emmerde. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. D'accord. No worries. Let's hang later. Sure. J'ai quand même envie de te parler un peu plus que ça. Alors, look, qu'est-ce qu'elle va me dire? Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Let's talk later, Max. Non! Dis-moi ce qui ne va pas! Je suis ton ami! Dis-moi ce qui ne va pas! Confesse-toi! Tu es une religieuse! Confesse-toi à ton ami! Fais-moi part de tes peines! Bon, allez, la paperboard. Voilà. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Whoa, what the fuck is this? Oh, merde. Bon, désolé, mon ordi a un petit peu de mal quand je lui demande de faire jouer des bons jeux. Ok. Read. XOXO Blackwell Academy.
connard. Kate, parle-moi de tes problèmes. Let's talk later. No, tell me now what's wrong. Pourquoi j'ai pas l'option hug? Pourquoi j'ai pas l'option comfort? Let me comfort my friend. I want to comfort my friend. Look, she's down. She's falling down. Let me comfort her. Ah, fuck. What is that? Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. J'ai pas encore utilisé. Je regarde après. Alors, notebook. What is that? Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laugh. Les gens rigolent toujours quand quelqu'un emmerde quelqu'un. Hein. Toujours des cons pour rigoler. Hein. Ça, bienvenue au lycée. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive ever. Alors, je vais me placer comme ça pour pas qu'elle puisse me voir m'en servir quand même. Use. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Read. Alors, produit, machin, donc elle va s'acheter une putain de caméra. We load the speed and power expected for you. Ok, bon. Et le machin coûte $5,299. $5,299 quand même. C'est le prix. C'est presque le prix d'une, école, d'une année d'école privée. Hein. C'est beaucoup. Alors, use. Comme ça, je reste devant Kate. Ok. Bon. Delete. Non, bon. Kate, t'as intérêt à parler plus tard. Because I want you to feel better. Ok. Echoed mark. Déjà, look. This might make a cool shot. Bon, bah, je vais dire le en fait qu'elle a son photo. Voilà, la photographie, c'est prendre des photos de tout. C'est cool les Polaroids quand même. Par contre, ça met. J'ai testé un Polaroid et ça met vachement plus longtemps que ça à développer une photo. En fait, souvent dans les films, on voit les gens faire comme ça et hop, c'est bon, la photo apparaît. Non, ça met plusieurs bonnes minutes avant d'apparaître. Ou en tout cas, ceux que j'avais utilisés. Peut-être qu'après, il y en a d'autres qui développent plus vite. And look! This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Putain, cette manière de parler des ados dans les séries américaines. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. C'est une peinture plus qu'une photo en fait, c'est bizarre. Max Jefferson. Ah non, d'accord, il est dans, dans le truc. Film versus digital, who will win? Film versus. Oh, ça peut être très récent alors. Tu me diras, une école de photographie, elle a uniquement un Polaroid, ça peut être. Je sais pas. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a panlock? God, I'm such a. Bah, disons qu'un panlock, c'est quand même plus pratique, on va dire. Sinon, ton trépied, il est vachement compliqué. Alors, tiens, plus d'infos? That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Donc là, ce serait supposément Max, donc la Kate, la. Non, Victoria est là. Ah, et donc elle, c'est une de ses verrues, donc ok. Et donc elle, ce serait Alyssa. Elle, j'ai pas entendu son nom, mais j'ai vu que le prof l'avait désigné aussi, un truc Tissa ou un truc comme ça. Ok. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ok, bon, read, je pense pas qu'il y ait beaucoup de. This Grunge Dead, machin, direction de. Ah, oh, le Grunge. Printer. Je regarde un peu partout, hein, j'explore. C'est amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Bon. Au revoir, Kate. Gros bisous sur la joue. Mouah. Allez. The equipment. Books. So cool that we can check these out anytime.
The Decisive Moment by Henri Cartier-Bresson? That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith? Good to see Avedon among the masters. Dali, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Voilà, juste les monologues, histoire de savoir un peu... Here's the okay, first important. Contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why not? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Bah, pourtant, dans le journal, il disait j'estime avoir mes chances de gagner. Donc en fait, elle veut pas parce qu'elle a pas la confiance. Imagine the image that best presents yourself for others in heroic actions. Ok, deadline octobre, le 9 octobre. Nous sommes a priori le 5 ou le 6 octobre. Ça veut dire qu'il reste donc à peine 4 jours. Le machin. Ah d'accord, ouh putain, eh, la deadline c'est le 9 octobre, ils ont fini de choisir et de trier pour le 11 que tu t'envoles. La vache! Ok. Even in pictures, the forest around here always une forêt autour du coin. Ok, je prends note. Bon, j'espère juste rencontrer Varenne avant de rencontrer Nathan, parce que putain, ça ferait beaucoup de merde d'un coup. D'accord, donc le phare qu'on a vu au début était le phare à proximité d'ici. Je peux donc, entre guillemets, m'y rendre si je... Oh! What is that? Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Bien, je vais donc voler la vedette un peu à Victoria pour l'emmerder en parlant au prof. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Bref. je peux te demander, do we have to? Do we have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with Allez, others. Un peu de confiance. That's what separates the artist from the amateur. Donc, d'accord. Bon. Ok. Rien d'autre. Et Victoria, j'ai pu la permettre de se faire un petit peu rembarrer devant moi. Tell me, how did it feel? Did you suffer? See you. I will watch you sleep. Non, il faut que je... Voilà. Open. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always look cute. Welcome to the real world. Just cute. Ah, mais dis pas que c'est Nathan. Oh putain, je vois plein de potentiels school bullies. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Elle a l'air vachement plus confiante dans son journal, hein, dis donc. Alors, Evan et Alyssa. Ah, celle qui est Alyssa, ok. Bon, allez, on va regarder un peu histoire d'avoir un peu de bilan sur qui est qui. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Donc, Evan, est-ce qu'il est intéressé par Alyssa? Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Ok, wouhou! Who's that? Dégage, Ron Weasley! I hate having everybody see inside my locker. Donc c'est le mien celui-là. Ah, c'est non, puis, ok.
Je regarde après. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Donc c'est Stella, ok. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Donc Justin, ok. That's Dana talking to. I think his name is Justin. Et du coup, c'est. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. D'accord, pas bien. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Ouais. Brooke a l'air un peu sympathique. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Logan, putain, t'as le prénom de Wolverine et t'emmerdes les élèves. Enfoiré. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Bah c'est simple, regarde, tu te mets derrière. Attends. Et là, tu vois, là, entre les deux jambes, tu lèves le pied en arrière et splum. Dommage que je puisse pas avoir une vraie liberté de faire ce que je veux. Ah là là. Ouais. Oh, what is that? It looks like she's been gone for months. Missing from Arcadia Bay, that's missing le 22 avril 2000. Nous sommes en 2013 donc. 19 ans, taille machin. Rachel Amber. Tattoo on calf. Tatouage sur. Ah, le mollet, je crois. Et, of a dragon and a star on the east side of the last priest. Donc une étoile d'un tiers du poignet gauche. Arcadia Gay, Papier Sheriff, blablabla. Bon, je fais ride au cas où pour être sûr. Hop. Ouais, non, le texte est suffisamment bien fait pour que ça pose pas de problème. Donc, je vais explorer, je vais regarder du coup mon casier. Donc, au cas où certains se demandent, oui, je suis en train de m'efforcer de revenir les noms de tous les personnages que je croise, parce que je ne sais pas dans quelle mesure ils vont revenir, à quelle fréquence je vais les revoir, et quelle importance ils auront après. I love that picture of mom and dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Elle appelle ses parents par leur prénom. Bon, donc Jack et Andy seraient ses parents, j'imagine. C'est bizarre. Du coup, elle serait fille unique. Une décoration. Est-ce que je peux en servir pour taper Victoria ? You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Bending machine, Luke. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar cups. Qu'est-ce que c'est que ça? Don't eat a PC. You missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Alors, forcer le PC laptop reload. Attends, read parce que du coup j'arrive pas bien à voir. Reward, schoolbook, c'est ma new tablet. J'ai l'impression que la personne qui a mis les trucs pour la récompense s'est fait piquer son truc par la personne qui a mis le truc à vendre en fait. Donc ensuite, Poetry Jam, Blackwell Poetry machin, le 5 octobre. Donc c'est raté à. Ok, donc nous sommes effectivement le 6. Donc plus que 3 jours pour le concours. Ok. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Ok, donc le changement climatique. Donc ça c'est toujours le même poster. Je crois, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Non, ça va, c'est la même. Y'a pas 4 personnes qui ont été enlevées. Good thing I left my AK at home. Hayden. There's Hayden, an
another Vortex Club bro. But he's actually not. Je mentionnais le missing person. Ah non, c'est parce qu'il y a le. Oh, c'est confus ça. Et donc du coup, il regardait plutôt ça en fait. Oh, I can hardly wait. Never be too cool like Nathan and Victoria. Lane. Mm-hmm. Mais ça dit rien. Vortex Club coming soon. Le truc du principal. Voir un peu si ça dit quelque chose. Principal doesn't come out of his office much. Ah, Miss Grant, donc justement, celle qui apprend la, la prof de physique en fait, qui est plutôt sympa et qui explique suffisamment bien sa matière pour que Max arrive à comprendre. Miss Grant is a great science teacher. Missing person. Tiens, c'est pas Varane ça? Non, c'est très bon. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Oh la vache, c'est vrai. Oh, pff. À un moment j'ai cru qu'elle avait rien en dessous en fait, j'ai eu peur. Ok, donc Zachary et Juliet. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. D'accord. Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Donc là c'est les toilettes des hommes et en face toilettes des femmes. Ok, donc nous avons gagné un peu d'infos sur nos cibles. Nobody can see my meltdown except me. Vérifie. Non. Tu n'en sais rien s'il y a personne. Regarde, t'as trois portes fermées. Tu peux très bien voir quelqu'un sortir d'une des portes. Now, who would bother to Tiens, je peux prendre une photo de ça. Ah non. Ah, Rachel Amber. Donc justement, le nom de la personne disparue. Curieux. Donc, la personne disparue n'était pas aimée de tout le monde. Firebell. Bull. Non, je connais. D'ailleurs, ça marche comment d'ailleurs, c'est un... Je déteste Victoria Chase. Illuminati. Poster. Must drive people to have sex. Abstinence makes the earth go stronger. Kate works for God. Ah, putain. Okay. She loves and don't need a sex. Then it's on my side. So it's coming soon. Use it. Ouais, si Kate effectivement s'amuse à distribuer des posters pour l'abstinence dans un lycée américain, c'est pas la meilleure idée du monde. I'm good to flow. A tampon dispenser. Donc, Vortex Clubs are jerks. Mm-hmm. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Bon, c'est vrai que là, c'est un coup de malchance, ça, j'imagine. Non. Bon. Donc, je pense que je vais donc m'arrêter ici pour cette deuxième vidéo, ça fait déjà un petit moment. Donc pour l'instant ça va relativement lentement puisque forcément je rassemble le plus d'infos possible pour en apprendre le plus possible sur les personnages. On n'a pas encore eu de vrais choix à part dans les conversations. Peut-être que ce sera déjà des petits trucs qui auront leurs conséquences. Hein. Donc voilà, pour l'instant je cherche à définir le plus précisément possible le cadre, l'environnement, qui serait un allié, qui n'en serait pas un. Pour l'instant, dans les alliés potentiels, donc il y a évidemment Kate, il y a évidemment Varane, il y a Daniel apparemment qui est très sympa mais qui se fait bolosser. Alyssa et Stella apparemment sont. Et Brookie sont occupés. Brookie pourrait être une amie puisque apparemment elle s'entend bien avec Varane. C'était Trevor, je crois, je sais plus, le black du Vortex Club en tout cas, enfin le mec avec le sweat gris. Lui apparemment semble également être plutôt sympa. Dana, nous n'avons pas beaucoup de contact avec elle, mais elle a l'air d'être plutôt sympa avec Max. Donc voilà, retenir un peu les noms de gens qui peuvent être plutôt cool, histoire d'éviter de leur faire du mal ou de les ignorer. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème avec Kate, parce que vraiment, je veux dire, elle se fait bully, elle s'est emmerdée, et je ne peux pas l'aider pour l'instant, ça me fait chier. On verra si je peux remédier à ça plus tard. Je l'ai déjà pu emmerder un petit peu Victoria.
Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois. Nous verrons donc ce qui se passera dans l'épisode 3. Ciao tout le monde!